Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un plaisir et vraiment avec joie qu'on se retrouve encore ce vendredi 3 février 2023. Nous commençons le mois de février, donc nous sommes là en train de développer notre sujet que nous avions fait comme cheval de bataille. Et nous pensons que vous êtes vraiment en train de supporter cette idée-là. C'est pour cela que vous vous abonnez nombreux. Et je suis vraiment très fier de ça. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais vous dire ici merci pour les gens qui font confiance à Contact Pro Live. Parce que c'est ça qui nous motive à continuer à réfléchir. Aujourd'hui, nous avons titré notre émission « Félix Tshisekedi entre le marteau et l'enclume ». C'est quoi le marteau? C'est quoi l'enclume dans lequel Félix Tshisekedi se retrouve? Nous parlons de notre président, pourquoi? Parce que c'est lui le garant de notre pays. Beaucoup de gens disent que non, je suis contre Tshisekedi. Non, mes chers amis, je ne suis pas contre le président de la République. Ça, il faudrait vraiment que nous disions la chose là. Ce que je dis, c'est une solution que je propose au président de la République. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est justement proposer ma petite contribution sur la reconstruction de ce pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Si nous constatons qu'il y a une certaine dérive, nous les dénonçons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler justement, pas papoter comme ça, mais essayons un peu de regarder ce qui ne va pas et qu'est-ce que nous pouvons apporter, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays. Nous allons parler de notre président aujourd'hui et nous allons parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Le Félix Tshisekedi vis-à-vis, c'est ça le marteau et l'enclume, vis-à-vis de la situation qui nous oppresse à l'est de la République démocratique du Congo. Comment faudrait-il? Qu'est-ce que nous devons faire? Où est-ce que nous pouvons courir pour que nous trouvions la solution? Alors, comme d'habitude dans cette émission, nous prenons les informations qui apparaissent dans les journaux en ligne. C'est-à-dire que ce sont les grands journaux que nous vous proposons. Si vous êtes en ligne, vous pouvez aller vous ressourcer là-bas, voir les informations. Ces journaux, nous les trouvons fiables parce que ils scrutinisent, comme on dit en anglais. Ils font la recherche et puis ils nous amènent de bonnes informations. C'est comme cela que nous avons sélectionné ces 5 journaux, nos 4 journaux que nous vous proposons pour que vous puissiez aussi vous ressourcer. Alors, on se retrouve juste après le développement de nos sujets. Félix Tshisekedi entre le marteau et l'enclume. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord Kivu, un chef rebelle arrêté à Butembo. Nord Kivu toujours, les officiers rwandais chassés de la force régionale. On va sur actualité.cd. L'ambassadeur accrédité à Kinshasa, nous n'avons pas le droit de nous intégrer dans les affaires intérieures de la RDC, y compris les élections, affirme le corps diplomatique devant Tshisekedi. Et puis, RDC, démocratie toujours plus mature, toujours plus transparente, est un milieu dans lequel les conditions sont très favorables pour l'annonce de l'évangile. Ça, c'est l'annonce apostolique qui en parle. On va sur Congo profond, Kibali Gold Mining, docteur Marc Bristol dévoile les défis de l'an 2023. Or, remplacement des réserves et nouvelles opportunités pour sécuriser le programme de Kibali étalé sur plus de 10 ans. 7 sur 7. Le dossier des enseignants retraités transmis à la CNCCAP pour prise en charge de leur pension. Et puis, visite du pape François, 7500 policiers seront déployés en Nolo. Et visite papale toujours à plusieurs délégations du pays de l'Afrique, dont celle du Rwanda déjà à Kinshasa. On va terminer par Radio Okapi. Maniema, une diarrhée de cime, près de 180 chèvres en 3 mois. Kinshasa, le député Njoloko,
Tambwe regrette que le pape n'arrive pas à Goma. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, nous vous disons d'abord merci pour tous ceux qui nous suivent pour la première fois, parce que je constate qu'il y a de jour au jour, il y a les gens qui s'ajoutent, et peut-être que je devrais le rappeler, si vous n'avez pas lu ce qui est en bas comme description de nos émissions, nous sommes en train justement de réfléchir sur la situation dans laquelle nous sommes, et nous projetons en apportant, en proposant des solutions. Et cette solution-là que nous proposons, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Ça peut être dans une autre nouvelle forme, mais nous demandons au président de la République de se faire violence. Ça, voilà ce que je ferai, voilà ce que... Aucun de ce qu'il avait dit n'a été réalisé. Principalement, la fin de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ça le marteau, justement. Et l'enclume, c'est quoi? L'enclume, justement, c'est ses résultats, c'est ce peuple-là qu'il est en train de meurtrir. La mégestion de la chose publique. C'est ça qui est difficile maintenant à gérer aujourd'hui. Et c'est ça qui est vraiment l'enclume par lequel Félix s'est dit, est-ce qu'avec un tel résultat, puis-je briguer un second mandat? Est-ce que Félix est géré par qui? Quel est le lobby qui est en train de gérer Félix pour le conseiller en disant, bon, voici ce que nous allons faire? Parce que tous les projets qui ont été entamés, soit ils n'ont pas été budgétisés, soit ils ont commencé budgétisés, mais l'argent a été dilapidé, ou pas même l'argent n'a pas été dilapidé, mais exécuté par des gens qui ont fait voir que les travaux-là n'avancent pas. Vous ne pouvez pas fonder une compagnie aujourd'hui en disant que vous allez commencer à construire les routes et se baser sur l'argent que l'État va commencer à te donner pour aller acheter les matériaux et tout ça commencer. Ça va te prendre du temps. Est-ce que Félix, dans son gouvernement, a-t-il tenu compte de tout ça? Est-ce que le gouvernement actuel avait-il commencé là où Kabila a laissé le pays? Pour se dire que voici ce que Kabila a fait, voici comment est-ce que nous pouvons prendre les actifs et les passifs. Là où Kabila a laissé, commençons un peu à corriger ce que Kabila a fait. Parce qu'aujourd'hui, si Tshisekedi part, je vous assure que celui qui viendra, il va dire que Félix a bébissé Mboka. Félix Aïba Kambongo. Beaucoup de gens vont fuir avec l'argent qu'ils ont amassé pendant le montant au courant de cette magistrature. C'est ça l'erreur. C'est comme ça que nous disons. Eza nango tinate lelo to bengana Félix. Parce que batou o baza na gestion o yamboka o. Peut-être que baza koloba ke non résulté kozala na prochain mandature tant ou babandi moussala sikoyo. Moi je me dis. Même les élections que nous sommes en train d'organiser, est-ce que qu'on change les loconini? Ce qui est aujourd'hui président Asika, quel est le danger que nous courons? Nous courons à ce que les caisses de l'État soient vidées. Batouana bako kima na mbongo, parce que bako ye bake non, batou baza koya, et koza la chasse à l'homme, parce que tout royo, ce qui vraiment Félix a kéye, koza la vraiment chasse à l'homme, parce que koza la neti nenge Kabila tika ki Félix te. Ça sera autre chose. C'est comme ça que nous disons, il y a encore un chaos qui nous attend. C'est ça que j'appelle l'enclume. Il y a le peuple et puis les résultats que le Félix doit donner. Ce qui kaka Félix a kéi, si Félix quitte le pouvoir, tous les programmes qu'il a fait et qu'on a la sikoyo, à Libye, à Batoba, à Koloba, non, Félix, à Sala qui n'a rien de mon côté. Et ceux qui ont l'argent pour l'instant, qui ont des projets entre les mains, oh Mbongo Bima qui n'a pas de projet à 145 territoires, je vous assure qu'ils ne feront absolument rien. Parce que le mécanisme, mon côté, est en place pour na kotia ko contrôler ou bien ko kangabatu. Et puis batou ba faire face dans l'État et ko zalate. Et ko zala justement moment à profit à batou na ba koloba kebo. Tourna bino si kope ango. Vous allez recommencer à zéro et puis mboke zo kende sika mon côté. Voilà. Maintenant, la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Parlons-en un peu. Dans les dernières missions que j'ai faites ici, je vous ai dit que
vers une négociation directe entre le M23 et le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Tilelo Oyo, Félix a prometté que le gouvernement est ce qu'il y a. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être n'est pas passé à Kéhi, mais maintenant il va revenir sur terre pour essayer un peu de réaménager peut-être le gouvernement. Est-ce que c'est le gouvernement qui s'en chargera à négocier avec ces gens-là? Parce que c'est là où le bas blesse. On semble ne pas avoir les calibres, les bateaux qui ont négocié dans le M23. Pour l'instant. Tous ces gens-là, le M23 n'ont pas confiance à tous ces. Tout, même entourage, même le gouvernement actuel, baza n'a confiance na Bangote. C'est comme ça que nous disons, il est grand temps c'est que nous puissions réfléchir. Ça sera pour quel intérêt que nous, Batouana, va continuer à occuper Goma. Rappelez-vous, même lorsque le M23 en 2012-2013 va occuper Goma, et que la façon dont ils ont été chassés, cette dynamique n'est plus là aujourd'hui. Je vous avais dit que risque Zali que Batouana soit qui va occuper Goma. Et qu'on la sikoyo chasse tiba kanga Bukavu, possibilité de négociation et qu'on la lissous ou te. Et qu'on la sikoyo invasion. Ba ville ko bandaka ko kre, ko kwea, ba tu batiki na bango mando ki bako miko lo baboya na bino kaka. Parce que au moment où lelo oyo, au fait Kinshasa ezo sa la haine, ezo dispense haine pour contre les M23 ko lo bake, batouana baza ba terroriste, batouana. Je vous dis une vérité ici, Bandeko. M23 zo zanga kaka ba leader ba congolais a solo o bazana pignon suri. Mais je vous dis que congolais moko o aventurier moko o ko kiko zala neti ba Kabila le père o ko bimisa muto alo bi tengai na okende ko zala na ko représenter bino devant les congolais. C'est fini. Oya aza vraiment na calibre. O ko décider alo bi bon tokende to chasser Tshisekedi. To réoccupé mboka mobimba. Ngai na zuit parce que ils sont à la recherche de cet oiseau rare. Le M23 est à la recherche pour crédibiliser justement Babilo Konabango devant l'opinion congolaise. Moutouana Zako Zouamate. Ils ont contacté tout le monde. C'est comme cela que je vous dis, moi je ne peux pas être contre Félix. Je voudrais que Bissot ba Congolais, tout bon Gisambo Kanabiso. Yangwana Tozako proposé Biloko Yakoloba. Il faudrait absolument que Félix a sa la marche en arrière aloba ba élection ezo tozo kenenango sika mo côté ça ne nous apportera absolument rien, ça ne proportera absolument aucun changement. La seule chose que nous prenons ici c'est la rétrocession, et même Félix azo reconnaître ango rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Le projet de 145 territoires est consisté à faire un nouveau Congo, à reconstruire un nouveau Congo. Batubazwa réconciliation nationale wana. Réconciliation nationale wana ko s'obtenir na Kinshasa te. Ça doit s'obtenir dans les territoires. Il faut faire parler les gens dans les territoires. Et nous avions dit dans notre dernière émission que pour nous construire sa Makambwa Est Kuna, il faudrait que nous ayons des conférences qui auront le pouvoir. Yakoloba awa bisonne mtu tokozala awa. Alors to sangana bisonne so totala ndenge nini tokogere mboka oyo. Justement en réécrivant une nouvelle constitution, c'est ça que nous disons ici. Bandeko, nous sommes en train de nous dire à aucune négociation lelo oyo ba okende ko silisa likambo guest ya guerre à est. Félix ne sera plus tozo kene na ndenge kisiko bras de fer za ko s'endurcir makasi. Pourquoi? Parce que eux ils demandent une négociation. Félix n'a pas de fin négociateur à koloba bon OK biso tozo négocier na bino lisusute a kende ke lobby ke no ya ko négocier na ba M23 te a ko kene ko négocier na Kagame. Kagame ekomelie mbololo. Parce qu'il disait que non, c'est le Rwanda qui nous agresse. Or, les Rwandais, sur le plan international, ils se disent que non. Mes chers amis, les Camerounais, Batouana, Zaba Congolais, même si Rwanda Zako backup Batouana, il ne redira jamais, il ne reconnaîtra jamais ça. Ataboyeli, Bokangaka, Basoda. Il y a Rwanda na kati ya ba M23. Est-ce que c'est pour autant que Rwanda s'y reconnaissant que baza na Congo? Jamais. Alors, il nous faut une dynamique interne.
Si angwana toza koloba boy tolobi eh likambwana ba négociation ya guerre akote kuna ekosi la kaka na bana mboka bango moko ba vandi na mesa balobi bon bino bolingi nini. Leader d'opinion ya Goma, ba leader d'opinion ya Masisi, ba twana bazana Kinshasa kuna o baza koloba kino, baza ko teleguider likambwana. Zongisa bango kuna bolobi likambwa ba election to tozo kende bo to bongisa nanu mboka, ke chaque que tous les territoires ba kende ba solola et que ba zo ba décision voici l'accompagnement pouvoir auto pesibino bo kende ko dan ko identifier ba tunabino, bo voici les moyens. Likambwane ko sila mbala moko. Si aujourd'hui on dit qu'à Ituri que non c'est 50 millions, bon ça la identification à Batou. Bon Batou on y est surtout au bazo aussi basimba mandoki. Bon ya bovanda. To bongisa mboka na biso awa parce que to il faut to comme constituer sika. Oh yo, mututo yi to définir mutu ya ko pouvoir ko banda ko zwa mandenge nini. Et nous avions dit que dans tout cela, nous devons avoir au moins 300 personnes dans chaque territoire. On va vendre pour pas solo la constitution à Sika. Mes chers amis, nous sommes en train de partir dans un mur. Likambwa est guerre à est haut. Si on ne fait pas attention, Félix a kopakatambangu. Je vous dis. Félix a kopakatambangu parce qu'il sera un certain moment où Tokokal Soussouté. Mais moi non qu'on a biso ba congolais oh non bazo beta kichanga oh ba récupérer kalango bozala ki wapi inane vous êtes là vous n'avez même pas récupéré un centimètre en wana bozako ko sala ka ba kadiosha. Excusez-moi le terme parce que le gouvernement de Kinshasa maintenant s'attelle dans le mensonge. On pense que la diversion peut maintenant résoudre le problème à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le peuple à l'est qui souffre. Batwana bazako vanda ba ebité misala ezalaka susu te bazana zamba kolieza pasi musala ezalaka. Donc vous pensez vraiment que na kosaka batu que non l'armée va faire ceci pendant que cette armée là n'est pas habile ba généraux moko bazana bango kaka ndengwana ce sont des affairistes. Il est grand temps que nous puissions élever le débat. Il est grand temps que nous ayons cette conscience que le salut de notre pays, ça se retrouve à la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Qu'organiser base à se prendre en charge. Félix, pour se dérober de toutes ces histoires-là, yabato balingi kolingayote. Panza likita yango. To bande, to ebisa kayo depuis le bandeli. To loba kayango depuis le bandeli. Félix, réorganiser la base, donner le pouvoir à la base pour que la base commence à se prendre en charge. Ba projet wana nyoso ekosala mapeli susute. Vous n'avez qu'un seul qu'une seule année qui reste, année ango kutu tikali kaka soki 10 mois. Dans 10 mois personne ne peut faire. Prenez conscience à ce moment-ci. Tango anonsaka, chaque jour lorsque vous prenez une mesure à koloba que non, je veux parler. Qu'est-ce que moi j'attends? Nazela kaka décision na lobakango mikonyoso nazela kaka décision Félix alobi te makamba ba election zate to réorganiser na numboka totala na numboka ba makamba ndenge nini batu na kati ya chaque bituka ba se prendre en charge batu na batu baza la conscience que non mboko eza mboka na bango personne d'autre ne viendra construire notre pays. Mutu mususu teka utaka libanda ya kubongisa mboka na biso bandeko. So kibiso moko to prendre en charge te. Donner l'opportunité au peuple congolais de se réconcilier avec lui-même. Topé sa opportunité wana. Parce que Félix ana vraiment ce moyen. Azana habilité wana koloba. Voici là où nous sommes en train de partir. Si la communauté internationale balingi koyo kangate, au moins, bino ba Congolais, boyo kanana, nous portons à la bien bisogno surtout. Ce qui n'a sala qui m'a baissé, c'est parce que peut-être je pensais que la communauté internationale pourrait nous aider. Et même ceux qui viennent,
dynamique interne en Nzango na zoloba awa et ça le plus capital possible pour un relèvement économique na développement politique en mboka na biso. Reconstruisons ce pays au niveau de la base. Est-ce la reconstruire c'est comment? C'est amener les gens de se parler pour une nouvelle constitution. Mobeko li komzi asika. Nous prenons ici un nouveau Congo. Nous prenons un Congo où tout le monde va avoir cette parole là. Batunyo surtout bakobanda koloba. Batunyo so que la population structure ya malamu eza ko salema keno. Moyibi ezate. Moyibi ezate mutute ko kiko sala abanda ko dépenser ba mbongo na ndenge ya lingi. Non, reconstruisons le pays par une nouvelle constitution. Mes chers amis, eloko wana soki to sali yango, je pense que Félix à ce moment-là ça va le dérober et ko pesa yo même moi poids que tu resteras dans l'annale de l'histoire. Pourquoi? Parce que direction tozo kende, eza direction à Mabé. Il faut prendre une nouvelle direction, direction à Sikezanini. Rétrocéder le pouvoir, na sina lobi ango a plus de 4 fois. Le peuple a besoin de voir que batubaza ko yiba lisusu mbongo te. Le peuple a besoin de voir que il ordre koti na makambu nyonso tu makambu ya balabala makambu ya banani makambu ya retrocession makambu nini wana nyonso auto zolo belango please lobby borate mission te ya live na biso direct na biso borate ango te parce que to kosala retro makambu nyonso tu auto za koyebisa bino to lobela kango en détail to kolobela bino pourquoi Félix Yebela. Vous commencez à vous rappeler maintenant lorsque nous chassions Kabila. Est-ce que même ce qui Félix a organisé l'élection, à cause de la capable à tricher? Wana si konde bon, si ces élections-là arriveront, parce que l'Ikambo est en Est. Et que le gouvernement de bazar capable à mesurer à conanité. S'il va se dérober nango, ce qui, par une formule magique, il y a aussi sa guerre et aucun abat élection. Tant mieux. Ou soit, tant aucun n'est qu'un abat élection, on a boulu et qu'un n'engwana, batukuna, bakoloba, keno, ba sanrola qui parce que naoka qui déjà keno, ba kit et komi déjà na beni. Ba kit enrôlement et komi na beni. Ok. Eko salaba beni kuna, Butembo, kote Kanyabayonga, kote banani kuna, baruchuru kuna, batubakovotende yendi. C'est comme ça que nous disons. Il est important maintenant pour l'instant. Toti kananu, toti ananu, babilo kwa ngona se, organisons, cherchons plutôt à renégocier comment est-ce que nous pouvons avoir une nouvelle constitution en incluant Batwana Bazako Bunda, Yakoye Bisa Bandeko, Biso Makamwana Bozoya na Mangona Mandoki to lingi angote. Biso to lingi bintumbate to ndimi ke bolongi. Mais regardez la population comment elle est en train de souffrir. Peuple na biso ezo souffrir. Bo vanda na to boya na nuto solo la balobi, mobeko asikande foto to tonga. Et pendant ce temps-là, nous construisons la base. La base, c'est quoi? C'est l'identification de la population. Voilà un peu... Naza Kolinga Kokendeti Moussika, mais contact pro live et Zalaka. Juste pour vous donner une idée de ce qui va se dire demain samedi. Je vous encourage, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Abonnez-vous. Tokoma siko yo media ya mas o batu bazako yoka. Parce que yangwana tozo luka, to explika eloko yo, to explika kango vraiment na baterme moko oyo kokiko za la compréhensible na tout le monde. C'est comme ça que nous utilisons le lingala et parfois le swahili, tout ça. Yangwana, soki ozali wana pour la première fois, tikata moi commentaire, partagez ba émission oyo. Parce que yango, soki osepeli na idée yango, partager l'émission pour que Moutou Moussousou a partagé paix. La décision en gros, ce qui adopté dans le bateau, na pouvoir. Et quand vous la paix, salut à Bissonio surtout. Voilà. Mes chers amis, en tout cas, merci beaucoup. Ne manquez pas, comme je vous ai dit, demain à 13h30. Nous serons là. Et lundi, nous serons sur Instagram. Dengue ma kambo comme Kozonga normal. Donc, chaque lundi à partir de 21h30. Tobando Zalana Instagram live, donc direct. On se revoit prochainement donc dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.